Are you ready? Are you ready? Fight! Here we go. Donc là, j'ai la chance d'être épaulé par monsieur Nbuyimbo Yambaye Mbuyimbo, plus simple Fernand Lopez, et monsieur Mpumbo, voilà des noms de je ne sais pas d'où ils viennent, que je préfère appeler tonton, et monsieur Faisal Houssine qui j'espère est là. Et là, c'est mon dernier entraînement de sparring avant le combat de la semaine prochaine. Donc moi, je le vois comme un entraînement de test. Si je fais de la merde là, il y a de grandes chances que je fasse de la merde dans une semaine. Alors aujourd'hui on est à la Free Fight Academy, une académie où mon ami Lopez donne des cours, qui est une académie de Free Fight en région parisienne qui est pour moi la mieux équipée, que ce soit d'un point de vue matériel, d'un point de vue pédagogie, en partie grâce à lui et son associé Mathieu Nico. Et ce qu'il m'apporte déjà c'est de l'intelligence de combat. Parce que j'ai tendance à faire les choses pour les faire. Et j'ai vu qu'il y avait d'autres façons de voir les choses en étudiant les vidéos de ses adversaires, chose que je ne faisais pas forcément avant. Et même quand je le faisais, je ne voyais pas la même chose que lui. Et il m'a permis de optimiser ce que je faisais. Et je combats de plus en plus en cage. Et croyez-moi, la cage, ça peut être votre meilleur ami comme votre pire ennemi, quoi. Et Lopez, avec son bagage de lutteur, me pose de vrais problèmes et me remet en question et me tire vers le haut pour les combats à venir. Alors le plus ici c'est que j'ai des connaissances en préparation physique, en diététique sportive qui me permettent moi de planifier son entraînement sur à court et moyen terme. Donc du coup son alimentation, sa planification, comment il réagit, comment il le fait, on met tout ça ensemble et puis on, voilà, c'est la raison pour laquelle je pense on a beaucoup plus, on a développé nos liens d'amitié et est devenu vraiment un point de rencontre pour les entraînements. Ne pas tomber sur le côté. D'ici avant d'aller vers l'arrière, vers le single, d'ici déjà, d'ici moi je fais ça. Tu vois, si tu ne bouges pas, si tu ne lâches pas, je tombe dessus. Donc d'ici, au lieu de venir en single ici, avant, je mets le levier, le bras de levier et je tombe sur toi avec le côté. Un bras qui peut prendre. Tu vas voir. Wow. Oh là là, Protège les dents, c'est pas trop. Protège les genoux, c'est pas trop. J'ai même pensé à ramener mon casque de scooter, mais bon. Norman, combattant, un ami, la famille, c'est quelqu'un qui s'entraîne dur, qui a vraiment envie de progresser,
Et là, en ce moment, il enchaîne des combats et il prépare un combat contre un mec assez fort au Cage Warrior, un événement assez aussi connu. Donc là, on est là, on lui sert de sparring, faut qu'il se prépare, faut vraiment que le jour J soit au top. Donc on est là et on l'aide au max. Bah, moi je dis que dans une carrière on peut pas être toujours être au maximum, donc forcément un jour ou l'autre on est obligé de soit de faire un petit combat, voilà quoi, et malheureusement ça arrive au teuf. Et ça fait partie d'une carrière comme Fedor, voilà, il a perdu 2 combats, on dit que ça y est, sa carrière elle est terminée, alors qu'il est resté invaincu pendant X temps, et puis voilà quoi. Donc moi je dis que moi j'ai toujours dit déjà, un combattant, pour moi, juste de monter sur le ring, déjà c'est vraiment quelque chose d'assez difficile. En ligne. Défends-toi tout de suite. Tout de suite, défends-toi, putain. Tout de suite, Norman, sinon ça va être la misère. Putain, ramène-la encore, ramène-le. Debout, Norman. Tout de suite. Voilà. Cavale. Tu te jettes là dans la gueule du loup, Norman. Qu'est-ce qu'on fait ici? Non. Tu sais ce qu'on fait, Norman? Son point faible, c'était son mental. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est quelqu'un qui avait une solide base, des très solides bases, et qui n'avait pas rencontré une difficulté ou quelque chose qui soit compliqué à surmonter. Il y a eu un événement qui a été très difficile pour lui, que ce soit sur le côté de l'événement propre à lui-même, ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il a dû arrêter le combat à un moment donné, au teuf, c'était super difficile. Et il y a eu tout ce qui entourait cet événement, qui ont fait qu'effectivement, ça l'a beaucoup affaibli, et ça l'a reconstruit, il a dû se reconstruire, partir du fond, se reconstruire et se mettre un mental d'acier. Et en ce moment, effectivement, ce point faible est devenu son point fort. Ce mec est vraiment incroyable dans une cage. Rien ne l'arrête. Il peut être dans la pire difficulté qui existe. Il en sortira de toute manière, il trouvera une solution. Et je peux vous dire qu'il est arrivé des moments où il y a des situations où tout le monde aurait craqué, abandonné et lâché l'affaire. Mais je pense que le fait que dans son subconscient, il se souvienne qu'il a déjà lâché l'affaire une fois et que ça a été pour lui l'un des plus gros regrets, il est blindé de ce côté. Rectiligne. Non, ça c'est pas rectiligne, ça c'est un coup circulaire, Norman. Rectiligne. Mets-moi des coups droits. Voilà, ça c'est rectiligne. Maintenant, on va récupérer. Qui est un peu fort, décale-toi. Bras dessous. Norman, écoute-moi bien, Norman. Si t'abandonnes, j'arrête le combat. Non, j'abandonne pas. Bah, bouge alors. Il a fait toucher tes jambes, tu t'es assis. Si tu ne veux plus, tu me dis, j'arrête. Hein. Voilà, t'es fatigué, Texer. On a préparé. On a vu pour la single. On a vu chance. Encore. Bien. Bah, le but, c'est de garder une intensité sur les 3 rounds de travail. Parce que souvent, au combat, bah, on ressent la fatigue. Et j'espère que aujourd'hui, ça donnera un petit avantage. Quoi. Allez. Oui. Voilà. Juste au bout. Touche pas la cage, tonton. Attention à la guillotine, on a vu la guillotine, ouais, on sait comment il faut faire. Attention, j'arrive, va terminer au sol. Bien fort, tout de suite, tu dégages. Tout de suite, pas de main, tout de suite. Voilà, ça ne marche pas, tu ressors. Joli, oh là là, le timing de fou. Oh là là, va jusqu'au bout. Magnifique. Joli le timing, j'adore. Excellent. Ouais, je connais Norman depuis la fin de l'année 2010. En fait, il s'était blessé aux 2 bras, donc il pouvait plus utiliser ses poings. Donc il est venu en boxe thaï pour travailler ses jambes, et c'est comme ça que je l'ai connu. Il était venu avec moi en Thaïlande en mars et il m'a beaucoup soutenu parce que j'avais eu un petit coup de
Enfin, j'ai une base de motivation, donc il faut toujours compter sur lui, il est toujours là pour nous aider, il donne toujours de très bons conseils. Ça, donc à chaque fois, quand je ne sais pas trop, normal, qu'est-ce qu'il faut que je mange, je vais lui demander comment je vais faire du poids, c'est lui que je vois. Voilà, et en tant que combattant, c'est pas du tout la même personne, parce que quand on lui parle à l'extérieur, c'est un gros minus. Quand on voit son ami, on dirait une autre personne, quoi. C'est pas le même Norman, il est agressif, il fait peur. Voilà. Ça, je connais pas trop son adversaire, donc je ne pourrais pas dire, mais je pense que... Enfin, je suis confiante, quoi, pour lui. Ouais, il s'entraîne bien, là. Ouais, si, si, il va gagner, hein. Ouais, même ton sparring, il se plaît tellement, tu y vas fort. Voilà. Voilà. Il ne s'est pas arrêté, il ne s'est pas arrêté, c'est un gamin. C'est, il kiffe tellement la bagarre qu'il ne va pas arrêter. Allez, arrête, va dans le ciel. Si vous faites le film, tu le rentres. Dans la nuit du partenaire. Là, il n'y a plus que ça. Donne-lui des fausses informations, juste ça, bang, je ressors, je repars, je reviens, pression, Kanli, maman, voilà. Lui, quand il veut mettre sa droite ici, à chaque fois il a, il transfère son poids ici. Donc, voilà, reste